Gaston Berger. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Tognon. Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Khodjambaï. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Je crois que ce sont là vos ministres avec le délégué général Mansour Faye qui sont de la région de Saint-Louis. Chers élus locaux, notabilités religieuses, coutumières, honorables invités, chères populations de la mythique ville de Saint-Louis et de ses environs, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier très chaleureusement pour votre mobilisation si belle, si exceptionnelle et votre accueil toujours chaleureux à l'occasion de cette cérémonie qui marque la fin des travaux de ce grand projet d'infrastructure. En effet, la réalisation de la route Saint-Louis-Richard-Toll-Rosseau annonce le début d'une nouvelle ère de prospérité durable pour la région de Saint-Louis. Le désenclavement du pays est un pilier majeur de ma politique en matière d'infrastructure routière. C'est ainsi que mon programme, mon gouvernement, a entrepris un vaste programme d'infrastructure. Un programme d'infrastructure routière visant à améliorer le niveau de service global du réseau routier national et à assurer la desserte des zones enclavées. À cet effet, des travaux de grande envergure ont été récemment achevés à la grande satisfaction des populations. Je peux citer entre autres les routes Djouloulou, Kapunting, Kapskiring, Djambering, le pont de Katakulous, l'axe Fatigue Bombay, le tronçon Boula, Ranerou, Patouki et Patouki, Wurosegui, les trois ponts de Matam, la route Touawan, Toubatoul, Khombol, le pont de Fanaï. Partant du constat que le Sénégal, notre cher pays, ne dispose que de 2,5 km linéaires de route revêtue pour 100 km carrés, contre 170 km en Europe, mon programme de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, fonde ses actions et même fonde ses actions en matière d'infrastructure sur l'amélioration notable de la densité du réseau routier, ainsi aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Plus que jamais, chère population de Saint-Louis, j'ai à cœur de faire du développement des infrastructures routières un socle de croissance durable et du progrès social équitable. Notre politique vise un maillage optimal du pays afin de valoriser les ressources et potentialités de nos différents terroirs et de promouvoir des pôles de développement comme pivot de la cohérence territoriale et de l'élimination des disparités d'accès aux infrastructures. La nouvelle stratégie sectorielle repose ainsi sur la poursuite du désenclavement du pays et l'amélioration de la mobilité urbaine en harmonie avec la politique nationale d'aménagement du territoire et le développement de l'intégration régionale. Elle s'appuie également sur l'amélioration de la performance des services de transport,
de nature à contribuer à la compétitivité de l'économie, au renforcement des capacités des opérateurs et à la suppression des entraves à la circulation. La mise en place de mécanismes de financement durables. L'entretien routier, vous l'avez dit, Madame l'ambassadeur, chef de la délégation européenne, l'entretien routier a notamment été érigé en priorité absolue par le gouvernement. Afin de préserver le patrimoine routier, c'est à ce titre que le contrôle de la charge à l'essieu sera bientôt effectif sur l'ensemble du territoire national. En outre, la politique d'amélioration des corridors sera poursuivie par l'achèvement de la réhabilitation de 400 km de route de Tambacounda et Kédougou, Tambacounda, Kidira, sur le corridor Dakar-Bamako. Dans le même esprit, le programme de connectivité et de désenclavement concerneront en priorité la réhabilitation des routes nationales Njoum-Wourossogui-Bakel et Touba-Dara-Lingère, pour lesquelles les accords de financement ont déjà été signés lors de mes récentes visites à Abu Dhabi et au Koweït. Notre action s'articulera autour de la construction de plusieurs ponts dans des zones enclavées du nord, du sud et du centre, dont les ponts de la Géole à Saint-Louis et le pont de Anouar. La réhabilitation de la route Mandadouane-Velingara, la remise en état et l'aménagement de la Grande Niaye entre Rufus et Lompoul, le bitumen d'axes régionaux, la boucle de Kalumay, du Boudje dans le Kédou, Joël Sambadia, Palmarès du Fer, la dorsale de l'île à Morphine, Bambay, Mekhe, Dogo, Fasboy, etc. De surcroît, l'accent sera particulièrement mis sur l'accessibilité des zones rurales, avec la construction de près de 1000 km de pistes par an, la mise en œuvre du cantonnement pour assurer l'entretien de premier niveau qui permettra de préserver les pistes et de créer plus de 1500 emplois. Mesdames et Messieurs, ces projets visent un complément des travaux entrepris dans le cadre du Millennium Challenge qui concerne les routes Richard Toll-Njoum et la National 6 entre Ziguinchor et Mandadouane, y compris le pont de Njoum et de Kolda. Au demeurant, j'ai instruit le gouvernement pour la réalisation de 50 km d'autoroute par an qui concerne dans un premier temps en dehors de l'axe Dakar Aéroport International Blesdaigne-Mbour, qui concerne les axes Thiès-Touba, Thiès-Tuaon et plus tard Tuaon-Saint-Louis, ainsi que Mbour-Kaolack. La route Saint-Louis-Richard Toll, que nous inaugurons ce matin, entre dans le cadre de ce vaste programme d'amélioration de notre réseau routier national. Vous l'avez dit, les travaux ont consisté à la réhabilitation des 127 km de route de liaison interurbaine, comportant en plus de la route nationale Saint-Louis-Rosso-Richard Toll, la route de Gandiol, les bretelles de Rosso et d'accès à l'aéroport de Saint-Louis. Elle comprend en outre la réhabilitation de 16 km de voirie au niveau des traversées urbaines, ici à Saint-Louis et à Richard Toll.
Il s'y ajoute le contournement de Saint-Louis par la Corniche, la construction d'une bretelle d'accès au port de Rosso sur le fleuve Sénégal, l'aménagement de 65 km de voies de désenclavement, de tronçons Ngalel-Maket-Touvé, Colonna Niet, Richard Toll, Mbam et Diaglé. La réalisation de cette route qui se trouve sur le corridor, vous l'avez dit, Lagos-Dakar-Nouakchott-Tanger participe à accroître l'intégration économique régionale. Elle sera bientôt complétée par la construction des ponts de la Gambie et du pont de Rosso, pour lequel je note la disponibilité de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement. Sa réhabilitation a été possible, cette route, grâce au concours de l'Union européenne, que je salue ici, et je vous demande d'applaudir l'Union européenne qui a mis à la disposition de notre pays 36 milliards de francs CFA sous forme de dons. Je rappelle que l'Union européenne a consenti ces dernières années sous forme de dons une enveloppe de près de 130 milliards dans le cadre de projets routiers intéressant les régions de Kaolack, Fatick, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Dakar. Je saisis à cet égard l'occasion de cette belle et coloreuse cérémonie pour encore une fois remercier très chaleureusement l'Union européenne, premier partenaire du Sénégal dans le secteur routier, pour tous les efforts qu'elle ne cesse de consentir afin de faciliter la réalisation de nos projets de développement. Je voudrais tout particulièrement témoigner ma satisfaction à Son Excellence Madame Dominique Delicourt, chef de la délégation de l'Union européenne, à l'ensemble de ses collègues ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne ici présents, pour son engagement constructif aux côtés du Sénégal. J'associe à ces remerciements toute l'équipe de la délégation et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour leur assistance soutenue dans la réalisation de notre politique de développement économique et social. Madame l'ambassadrice, le moment semble donc opportun, avec votre soutien déterminant, d'engager le démarrage avant la fin de cette année 2014 des travaux de réhabilitation de la route Passy-Sokone, ce que vous m'avez confirmé dans l'avion tout à l'heure. Passy-Sokone, dont la convention de financement est déjà signée. Mesdames et Messieurs, pour la poursuite des actions engagées à travers le programme routier, j'ai le plaisir de vous annoncer le démarrage dans les semaines à venir d'importants projets, dont l'aménagement et le bitumage de l'axe Lompoul-Léonard-Potou, la construction de la route Potou-Gandiol, l'aménagement de la route Joal Sambadia Palmarès Diffère, l'aménagement et le bitumage de l'axe Kédougou Salemata, ainsi que Kolda Kata Medina Yorofoula Fafakourou Dabo, la réhabilitation de la route Dialokoto Mako et Kédougou. Monsieur le ministre Thierno Alassane Sall, je saisis cette occasion solennelle pour vous féliciter pour le suivi et l'engagement pour la bonne exécution de ce vaste programme qui me tient à cœur, et à travers vous, je félicite
les routes, la direction des routes et l'ensemble des collaborateurs du ministère chargé des infrastructures. Je ne saurais terminer sans encore une fois remercier toutes les populations de Saint-Louis